Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette vidéo de présentation des RTG de SimExpress. Les RTG, ce sont les rames à turbine à gaz qui ont évolué en France à partir des années 70. Alors je crois que la première a été livrée en 1972 jusqu'en 2004 tout de même. Au début, c'était étudié pour les relations grandes lignes non électrifié, ça a pas mal circulé en Normandie sur Cancherbourg, Paris-Cancherbourg notamment, pas seulement mais notamment. Durant une vingtaine d'années, ensuite ils sont partis sur la transversale entre notamment Lyon, Nantes et Lyon-Bordeaux, puisque dans les années 90 la section entre Caen et Cherbourg, du moins entre Paris, Caen et Cherbourg, était totalement électrifiée. Oui, disons que ces rames-là sont peut-être pas arrivées au bon moment puisqu'elles sont arrivées en plein choc pétrolier. Voilà, mauvais timing. Et au final, je crois qu'au final, ça coûtait moins cher d'électrifier toute une ligne, du moins les parties qui manquaient, plutôt que de garder ces rames-là. Même si effectivement, on les a retrouvées pour certaines d'entre elles jusque fin 2004 sur les relations sur la transversale centre notamment. Voilà, c'est plutôt cool d'avoir ça, d'avoir ce matériel sur Train Simulator parce que c'est assez atypique finalement comme matos. Vous verrez, il y a pas mal de liens avec l'aviation justement. Voilà, plutôt chouette, on en reparlera après. On a le système de numérotation personnalisé, flash dynamique comme sur les CC 6500. Ou les 72 000. Donc là on est avec une motrice impaire, la 2021, et on a la 2022 en queue, et c'est la rame blasonnée Besançon. Ah oui, parce que j'ai pas dit où on était. Alors nous sommes, on imagine, dans les années 80 sur un Mulhouse-Lyon, donc via Besançon. Le train, on va dire qu'il arrive de Mulhouse, mais comment dire, ma machine a remonté le temps. À quelques soucis, et bon, ouais, Besançon, Franche-Comté, TGV. Bon, ne faites pas attention à ça. Voilà, quelques soucis avec la machine à remonter dans le temps. La machine à voyager dans le temps, faut que je l'envoie en révision d'ailleurs. Parce qu'effectivement, mais bon, on est donc sur la ligne Besançon-Viotte, Besançon-Franche-Comté, TGV. Ligne réalisée par Paul 25, disponible sur la RW Centrale. Alors, c'est une ligne assez courte. Vous verrez, on va pas rouler simplement sur cette ligne. En fait, c'est une ligne qui vous permet de faire la navette entre Besançon, la gare Besançon-Viotte et la gare TGV sur la TGV Rhin-Rhône. Bon, on va découvrir quand même la rame et après, il va falloir qu'on bosse. Voilà, je vous montre l'extérieur avec ce petit travelling. Alors, la rame est équipée, chaque motrice est équipée de deux turbines. Alors, il y a une turbine auxiliaire. Et une turbine principale. La turbine auxiliaire, c'est une entre guillemets petite turbine qui permet de produire de l'électricité et de l'air. C'est un peu l'équivalent d'un APU sur un avion. Donc en fait, la turbine auxiliaire va permettre de produire de l'air et de l'électricité et de pouvoir lancer la turbine principale. Alors, petite turbine auxiliaire, c'est quand même une turbomeca Stazou qui est équipée l'Alouette 2. L'Alouette 2, alors je crois qu'il y a eu des versions avec d'autres turbines par la suite, mais l'Alouette 2, c'est tout simplement le premier hélicoptère à turbine français. Donc, petite turbine, c'est vrai, au regard des deux autres, enfin au regard des turbines principales, mais quand même, ben, c'était quand même des turbines d'hélicoptère déjà à ce niveau-là. Et ensuite, en turbine principale, dans les motrices impaires. Alors, à l'origine, on retrouvait des turbomécas Turmo 3 qui équipaient les Puma et Super Frelon, du moins certaines variantes de cette turbine-là équipaient ces hélicoptères. Et ensuite, on a remotorisé dans les années 80, à la fin des années 80, seulement les motrices impaires avec une turbine de type Turmo 12. Qui est une grosse évolution de la Turmo 3 en quelque sorte, qui est plus puissante, 1100 kW contre 820 je crois pour les Turmo 3 et 390 kW pour
Pour les turmos, pour les Astazous, pardon. Je m'y perds un petit peu. Bon, on va se dépêcher de mettre en route parce que, ouais, on va. Je sais pas si on partira à l'heure, mais bon. On peut accéder. Ah oui, j'ai oublié. Alors, on peut ouvrir les portes. On peut ouvrir la porte ici, plutôt classique, hein, de la cabine. On peut ouvrir la porte du couloir. On va le faire, voilà. Et on peut ouvrir la porte qui donne accès au fourgon. Bah, au fourgon tout simplement, et on peut ouvrir également la porte du fourgon ici. On va l'ouvrir d'ailleurs. Et nous, pour commencer, il faut aller dans le fourgon, au niveau de l'armoire technique. Bien sûr, vous avez la possibilité de faire un contrôle Z pour lancer la RAM automatiquement. Nous ici, on va faire tout manuellement. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est simplement mettre en service la batterie en bas, là, ici. Voilà. La batterie est en service. On peut refermer là. On va maintenant se rendre en cabine. On va pouvoir déverrouiller la boîte à levier. On reparlera du pupitre après. Voilà. On peut mettre éventuellement les fanaux à l'avant et les feux arrière. Alors, je sais plus où est le bouton, mais je vais appuyer deux fois sur la touche F. Alors, on peut allumer les feux arrière depuis la cabine menante. Hein, lorsqu'on appuie une première fois, je vais vous le montrer, ça vous allume les feux sur la motrice dans laquelle vous vous trouvez. Lorsque vous rappuyez une seconde fois, ça les allume, voilà, à l'extrémité. Et on va lancer la turbine auxiliaire. On va la lancer à l'arrière. Donc, start 2. Je vais vous laisser écouter le démarrage, j'espère. J'ai dû baisser un peu le son, donc j'espère que vous l'entendrez. Donc voilà, ça, c'est simplement la turbine auxiliaire qui nous permet d'avoir de l'air et surtout d'avoir de l'électricité. Alors on va attendre, nous, l'extinction. Ah, on a un corail là-bas, train de nuit. On a encore un peu le matin, donc potentiellement on peut avoir des trains de nuit. Voilà, on a extinction des voyants batterie. On va éteindre LSSF. On peut mettre éventuellement le compresseur. Alors, bon. Hop, voilà. On peut mettre la clé de frein sur service, mais là, il n'y aura pas assez d'air. Donc maintenant, on va lancer la turbine principale. On va lancer la turbo 12, celle de la motrice menante. On va également lancer la turbo 3 à l'arrière. Start 2. Alors on va attendre que la turbo 12 soit stabilisée à sa vitesse de ralenti pendant au moins 10 secondes. Donc environ 19 000 tours. Alors là, elle n'est pas encore tout à fait à sa vitesse de ralenti. Voilà, là on prend un top. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut réarmer le relais de traction, le premier relais de traction, si on veut. Donc là, normalement, voilà. Parfait. On met en place notre clé de frein pour service. Je vais fermer la fenêtre, je vais commencer à fermer les portes et tout parce que ça commence à être bruyant. Hop. Voilà, la turbo 3, elle n'est pas encore stable. Voilà,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On réarme le deuxième rétraction. Il y a un rétraction par, par turbine. Voilà, là on est bon. Alors, on va aller fermer notre porte du fourgon bagage. Et on va également fermer les portes. Ah non, mince. Ah, je n'ai pas cliqué au bon endroit, désolé. Voilà, on ferme cette porte et on va fermer celle-là aussi. Hop. Alors, je vais la fermer comme ça, c'est pas très réaliste, mais ce sera plus pratique pour cliquer. Et on va également fermer cette porte-là. Ça va un petit peu étouffer le bruit. Pas tant que ça, mais bon, normalement, vous devriez m'entendre correctement. Du moins, j'espère. Là, ah ouais, on n'est pas tout à fait bon. On va réalimenter la conduite générale à 4 bars pour garantir l'immobilisation de la rame. Normalement, c'était comme ça. Alors, le pupitre, bah, en fait, assez classique. Hein. Sur la gauche, là, je vous zoome dessus, c'est le manipulateur du frein automatique. Là, tout à gauche, ici, ça ressemble à un manip de frein direct. A priori, on ne peut pas utiliser. Donc, c'était peut-être pour les motrices en haut le pied. Peut-être. Ici, le BP urge. Voilà. Ça fonctionne. On peut alimenter à 4 barres. Ensuite, donc la clé de frein, je vous l'ai montré. Les différents boutons de lancement d'arrêt des turbines, donc pour la turbo 12 au milieu et pour la turbine auxiliaire, et à droite pour la turbo 3. Alors on a des relais qui sont ouverts, c'est normal, parce que j'ai appuyé sur BP urge. Voilà. Devant nous, nous avons les deux contours, à gauche bien sûr, les différents indicateurs de la conduite générale et du cylindre de frein. L'indicateur de vitesse bien entendu, la commande de l'inverseur ici, l'avertisseur et les deux leviers de traction. Et oui, parce que c'est indépendant pour chaque turbine, tout simplement. Et puis à droite, on a la commande des extincteurs, normalement en rouge, la commande du signal d'alerte lumineux. Voilà, hop, je vais éteindre. Voilà un peu ce qu'on a. On peut également, si on le souhaite, on a accès à une armoire derrière nous et on peut tester le frein électromagnétique. Alors, par contre, est-ce que je suis freiné comment? Je suis à 4 bars, ça va pas suffire. Ah, mais si on pourra. Ouais, attendez, si on va le faire comme ça, on va le voir descendre. Donc là, j'ai une position qui me permet de tester le frein électromagnétique, qui est tout simplement un patin. Il va descendre sur le rail, mais pour ça faut faire une dépression d'au moins 1,5 bar à la conduite générale. Alors on va essayer. Hop, vous avez vu, il est venu se coller sur le rail. Alors je sais pas si c'est uniquement visuel, je crois que c'est uniquement visuel, je suis pas sûr que c'est réellement un effet de freinage dans le simulateur, mais bon, il est quand même là. Pour que ça fonctionne, il faut faire une dépression de 3,5 bar à la conduite générale, donc il faut quand même freiner fort et il faut être à une vitesse supérieure à 40 km/h, je crois. C'est pour ça qu'on a ce bouton pour le faire fonctionner à l'arrêt. Alors on peut réalimenter à 5 bars, mettre l'inverseur en avant et tester notre veille automatique quand même. Hop, et c'est vachement. Ah oui, éclairage voyageur aussi, ça peut servir. Et non, j'ai pas touché au bon bouton. Je me trompe tout le temps. Voilà, essaye de la veille automatique. On va y arriver. Voilà, on a bien adigé, enfin, l'ouverture des relais de traction ainsi que la vidange de la conduite générale. Ah oui, je crois qu'on n'a pas le choix. Sur celui-là, il faut attendre qu'il se vidange quasiment totalement. Voilà, c'est bon. Ah, j'ai réarmé que le deuxième. Ah. J'ai l'habitude d'appuyer sur le raccourci clavier U pour réarmer le disjoncteur, donc j'avais réarmé que le deuxième relais de traction, mais c'est pas grave. Et là, on va réalimenter. Je vais réalimenter qu'à 4 bars hein, parce qu'on n'a pas vraiment moyen d'immobiliser la rame. Voilà. Et ensuite on y va, parce qu'on a un petit peu traîné quand même. Normal, hein, je vous présente le matériel.
Hop. Et puis bien sûr, je ne l'ai pas présenté, mais en bas, la boîte à levier, le bouton pour le sablage sur la gauche, sur la droite, le bouton d'acquittement des signaux fermés. Donc, Cinexpress, sur cette version, nous a... Oh. Ah, Vacma, c'est bon. Cinexpress n'a pas reproduit les versions avec KVB, c'est simplement avec la... qui était couramment appelée la MEMO, la lampe de signalisation signal fermé. Donc, il n'y a pas le contrôle de vitesse. Mais finalement, c'est pas plus mal, du coup, ça nous remet un peu dans l'époque. Et puis, surtout, le KVB, certaines rames l'ont eu, ça fait une énorme excroissance là au-dessus du tableau de bord sur le pare-brise. Donc, finalement, ça masquait la vue et tout. Donc, comme ça, on n'est pas si mal que ça. Normalement, les portes sont fermées depuis un petit moment, donc on est parti. On sort sur avant et on est parti. Alors, vous voyez que je peux vraiment manipuler de manière indépendante mes turbines, vous constatez au contour. Alors, on va pas y aller trop fort pour le départ parce qu'on est limité à 30. On roulera pas très très vite sur cette portion. On aura une première vitesse limite à 130 puis 110. Voilà, zone à 60, enfin, la pancarte 60 associée à sa pancarte Z, on peut tester la veillette automatique en route normalement. Ah, ok, ça fonctionne. Bon là évidemment on n'est pas sur un parcours réaliste, hein, du moins pour cette portion. Je vais remettre à zéro la traction. Pour cette portion là, vous l'aurez compris, c'est plus une évocation. C'est un petit peu un prétexte pour aller du côté de Besançon, mais évidemment, il n'y a pas eu de RTG à Besançon, Franche-Comté TGV. Hein. Mais encore une fois, c'est ma machine à voyager dans le temps qui a un petit souci. Voilà, normalement, on peut rouler, ouais, on peut rouler à 60, donc on est parti. Ah, j'aurais pu mettre de la traction plutôt, mais c'est pas grave. Alors, contrôle d'appui, c'est bon. On va bien évidemment couper la veille automatique. Sinon, ça va pas être simple pour moi. Allez, 60. On pourra prendre assez rapidement 130. Normalement, dégagement des aiguilles. Alors. Hop, 60. On recoupe la traction. Ok, non, c'est bon. Voilà, je mets quand même un peu de puissance. Ouais, là, j'ai quasiment tenu. Si on garde les contours... On est à, peut-être que j'éclaire un peu, 30 000 tours, 30 500 tours sur la Turmo 12 et 28 000 tours sur la Turmo 3. Donc t'as quand même un peu de jus. Alors après, c'était des angles qui étaient étudiés à la base pour le 200 km/h. Bon, en service commercial, elles n'ont jamais dépassé les 160. Et... Malheureusement, au final, c'était pas si surpuissant que ça. Alors, enfin, si, en pleine, ça se débrouillait quand même bien. Mais sur des lignes à relief un petit peu accidentées, bah, c'était pas non plus, semble-t-il, ultra surpuissant. Finalement, dans la rampe des sauvages, il semblerait que ça faisait à peu près les mêmes performances qu'une CC 70 000. Avec des corails, avec 7 corails derrière. Donc voilà, c'est pas mal, mais apparemment, c'était pas si surpuissant que ça. Surtout lorsqu'il y avait les deux Turmo 3. Je crois quand même que la turbine type Turmo 12 était quand même, bah, déjà, elle est plus puissante. Et sur des lignes, il n'y avait pas spécialement de... Le profil, enfin, le relief était, on va dire, plutôt favorable. Et bien, alors, 110,
eh bien, on pouvait rouler qu'avec une seule turbine, qu'avec la Turmobile. On va dire en régime économique. Alors évidemment ici c'est pas forcément possible, quoique, ça dépend. Alors je vais essayer d'ajuster ma vitesse à 110 en utilisant juste la turmo 12, ça devrait suffire. Mettons un peu de puissance dessus. Voilà. J'espère que le son est bon, que normalement je l'ai ajusté pour pas que... pour que vous puissiez entendre le son, évidemment, sinon ça n'a aucun intérêt, mais pour que ma voix quand même passe au-dessus. Enfin, si vous voyez la vidéo, c'est que c'est normalement relativement correct. Ainsi, on mène un peu les pinceaux dans les raccourcis clavier. Ok, 108, c'est très bien. On va même pouvoir recouper la pression. Ah, on a le petit seuil à passer. Et là, on peut descendre, on pourrait presque couper les deux turbines. Là, on a passé avec les dupes de la ligne, on peut descendre jusqu'à Besançon comme ça. Sans trop de problèmes. Hop. Enfin non, on l'a pas encore passé, on va la passer apparemment. Je vais peut-être couper la traction un peu tôt, mais... ça redescend quand même pas mal de l'autre côté, donc de toute façon on va reprendre de la vitesse à chaque fois il est obligé de freiner ou autre, donc je pense que c'est pas trop grave. Si on n'arrive pas à l'heure à Besançon, écoutez, on se débrouillera pour voir comment. Alors, un tunnel. Alors, coup de sifflet, alors j'ai mis les instruments aussi. J'ai pas expliqué, mais normalement vous voyez il y a un ticto qui est allumé là, ici. Volet clim, donc ça c'est moi qui les ai fermés. Ah, on peut les rouvrir. C'est le bouton qui est là à côté de l'éclairage voyageur. En fait, c'est tout simplement pour éviter que le gaz d'échappement ne reflue à l'intérieur de la rame. Alors, finalement, j'ai peut-être coupé la traction trop tôt. Lorsqu'on passe dans les tunnels, ah, on va remettre un peu de. Non, j'avais coupé l'accélération trop tôt. Alors, sur des lignes avec pas mal de relief, c'est pas toujours simple à doser. Mais c'est pas grave. Alors, on va remettre un peu de puissance. Ah, je crois que je suis au taquet. Ouais. Là j'en demande beaucoup. Ouais, on va recouper la traction parce que sinon on va se maintenir autour de 100. Alors on a un sectionnement qui évidemment ne nous intéresse pas. Voilà. Là on passe la clé de voûte réellement. Je mettais un petit peu avancé, je connais pas encore ultra bien la ligne hein, finalement. Voilà, et là, maintenant, cette fois-ci, on peut réellement descendre jusqu'à Besançon avec les turbines qui vont tourner au ralenti. Et peut-être rétablir le pupitre. Et on va peut-être faire une dépression de 0,5 bar dans la conduite générale, on va voir. Allez, volet clim et pupitre, j'aurais dû le laisser. Et le ralentissement dérivé de losange 30. On arrive à Besançon.
peu près à 30 km/h. Faire attention parce qu'on est en descente. Alors je vous montrerai les vues intérieures, elles y sont évidemment. Je vous les montrerai un peu plus tard sur le trajet. On ne va pas aller que jusqu'à Besançon, vous inquiétez pas. On fera quelques ellipses évidemment. Un petit peu comme on a fait avec le vidéo de test plastique. Un peu sur le même principe. Vous verrez. Vous verrez, mais vu la destination du train, certains auront peut-être deviné. Alors, 30. Là, on va pouvoir éteindre les instruments, les charges d'instruments, pardon. Et on va pouvoir réouvrir les volets de la clim. On va pouvoir arriver tranquillement pour faire notre arrêt à Besançon. Il y a de fortes chances pour qu'on soit reçu sur signal fermé, donc là aussi on fait un petit peu attention. Alors j'ai pas pu mettre énormément de matériel IA sur cette ligne. Bon, déjà on est en voie unique, donc matos IA en voie unique c'est très compliqué sur Train Simulator. Et matos statique, alors je pense que là c'est pas un problème. C'est pas la faute de l'auteur, je pense que c'est un problème d'ETS, mais en fait sur certaines voies, si je pose du matériel IA, alors là on a l'exécution du 30 et l'avertissement que j'acquitte. Ouais, je pense que c'est dû à ATS, peut-être dû à la dernière mise à jour, mise à jour qui a bien foutu le bazar. En fait, il y a certaines voies, si je mets du matériel dessus, après je peux plus lancer le scénario. Ça m'est arrivé sur d'autres lignes, donc je pense que c'est pas un problème de la ligne en elle-même, mais c'est plus un problème d'ETS. La ligne, vous la trouvez sur RW Central, le lien est en description. Voilà, c'est une ligne assez sympathique, une ligne assez courte. Alors, elle n'est pas réellement faite pour faire du RTG, elle est surtout faite pour du TER. Pour les navettes entre Besançon et la gare TGV, mais ça peut faire l'affaire pour des petits scénarios comme ça, ou pour des évolutions sur les dépôts, ce genre de choses. Voilà, en espérant que peut-être un jour elle sera peut-être un petit peu prolongée, mais franchement pour le peu qu'on a, c'est, je trouve, une ligne très sympa, que moi j'aime bien. C'est vrai, un peu courte. Je sais plus si c'est sa première ligne à Paul 25, mais en tout cas bravo pour la réalisation évidemment. Voilà, on arrive en gare de Besançon-Viot, notre premier arrêt. Voilà, notre premier arrêt depuis qu'on est aux commandes du train, puisque le train est parti de Mulhouse. Voilà, sur notre droite on a une 72 000, alors qui stationne avec une rame train de nuit, parce qu'on est encore un peu tôt, il est autour de 9h. Donc on a là encore l'arrivée de certains grands trains de nuit. Évidemment, j'ai essayé de recréer un petit peu les compos de l'époque. Donc là, on a des UIC. Il y a quelques corails aussi, mais en livrée d'origine. Et nous, on va aller s'arrêter un petit peu plus loin. Alors, on va commencer à ralentir quand même. Voilà, on réalimente et on laisse tout doucement le convoi mourir. Normalement, c'est comme ça qu'il faut faire pour ne pas faire d'à-coup. Voilà, et là, on va pouvoir réimmobiliser. On va le laisser doucement s'arrêter. Et voilà, hop. Et on mobilise à 4 barres et on ouvre nos portes et on est au neutre parce qu'on est devant un carré. Bien, je vous propose de nous retrouver dans quelques secondes après une petite ellipse. On va se retrouver pour la suite du trajet. A tout de suite. Et on se retrouve sur notre trajet. Lyon, on n'est pas très loin de la gare de Saint-Amour. On est sur les voies en provenance de Mouchard. Nous sommes arrêtés devant un carré.
Le régulateur m'a dit qu'en fait il y a un train qui est banalisé qui est en IPCS tout simplement. Donc lui il roule exceptionnellement sur la voie de droite, ce qui explique le carré tout simplement. Quelle heure est-il? Ok, normalement il devrait pas trop tarder. J'hésite à vous montrer la vue intérieure, mais on verra ça après. On va se concentrer sur le signal. Ah, j'aurais pu mettre l'inverseur au neutre. Alors, on va le faire, on va juste ne pas l'oublier. Et on va pouvoir se remettre en mouvement. Voilà, il y a un train avec une 6500 et un corail. Et on va, voilà, passage à voie libre. On va pouvoir se remettre en mouvement. Alors, inverseur sur avant. On réalimente la conduite générale. Voilà. Et on peut y aller. Alors, je ne me rappelle plus trop. Ok, on est limité à 80 ici. Alors, j'aurais pu vous mettre une petite portion sur la ligne de la Bosse entre Arcressonnens et Mouchy. Mais déjà, ça aurait fait quelque chose de relativement court. On part de 3 à 5 minutes, hein, je pense, grand maximum. Pas forcément top, on va dire. Pas très judicieux. Du moins, ça n'aurait pas apporté grand-chose à la vidéo. Et en plus, sur cette ligne, j'ai quelques soucis quand je veux créer des scénarios. Il y a certains itinéraires qui me sont refusés parfois. Notamment j'arrivais pas à partir sur les voies Mouchard, je pouvais y aller, mais je n'arrivais pas à partir sur les voies en direction de Lons-le-Saunier. J'avais imaginé peut-être que les voies, enfin que l'aiguille était en dérangement et qu'il fallait faire toute une série de manœuvres à Mouchard, qui aurait pu être intéressant, mais qui aurait pour le coup peut-être trop rallongé la vidéo. J'ai zappé cette petite partie. Voilà, on se retrouve directement du côté de Saint-Amour pour la ligne de la Bresse. On unité. Et ok, on peut prendre 120 maintenant, alors allons-y. 120 pour la traversée de la gare de Saint-Amour, voie libre. On va pousser un petit peu les turbines. Voilà. Et on va essayer de faire une petite vue extérieure quand même. Voilà. C'est ce que ça va donner. Ouais, normalement c'est bon. Alors, si je coupe la traction sur la turbo 3, est-ce que j'arrive à maintenir le 120? Visiblement, oui. Voilà, juste avec la turbo 12. Ah oui, c'est 130 même pour les autorails. Ouais. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On va mettre un peu plus de jus. Juste avec la turbo 12, on devrait pouvoir. Alors là, elle est à fond. Peut-être pas. Non, à fond, ça va pas le faire. Bon, on va garder 120, vous savez quoi. Déjà, on va réduire un peu le régime moteur. Voilà. On va garder la marche qui est détendue. Donc, là, normalement, je suis à peu près tranquille. Ma vitesse est plus ou moins stabilisée. Évidemment, on n'a pas de.
On n'a pas de système. Ah oui, on arrive en descente là. Évidemment, on n'a pas de système de vitesse imposée. Vous oubliez tout ça. Hein. Vous devez simplement jouer avec la traction. C'est tout. Littéralement, vous jouez avec les manettes de gaz. Parce que c'est ça au final. C'est tout. Ok. Petit croisement. Ok, bah normalement on devrait maintenir le 130 là, c'est parfait. Après il y a le 120 dans pas longtemps, donc bon, vous me direz, on n'a pas de KVB. Bon, quand même, on regarde un peu l'intérieur. On est en voiture restaurant, bar restaurant, ça dépend des époques. Et là encore une fois, la modélisation. Alors évidemment, là j'ai l'éclairage voyageur d'activé. Bon, je vais quand même vous montrer, ça fonctionne réellement. Hein. C'est-à-dire si là je le coupe, hop. Voilà, là j'ai plus de lumière dans mes voitures. Je vais m'empresser de les rallumer. Là on est un peu trop rapide quand même, faut quand même pas exagérer. Hop, voilà, regarde. Le 130 et d'ailleurs. Je sais plus où est le 120. C'est un peu le risque hein, quand on s'éloigne de la cabine. Vous savez quoi, on va garder 120 ici, dans le but. Donc, je vous montre un peu mieux les choses. Donc voilà, là on est dans cabine mixte, il y a quelques places en seconde classe et les cuisines pour le restaurant. Voilà, vraiment très sympa. Ces rames là, elles avaient quand même pour vocation première de remplacer les RGP, les rames à grand parcours, qui ont intégré quand même un temps qui assurait des trains de type Trans-Europe Express, donc quand même un certain standing et voilà, d'un certain niveau de confort voire de luxe hein. Et voilà, donc on retrouve effectivement un équipement on va dire haut de gamme hein, avec une voiture restaurant bar et restaurant. Et évidemment on peut aller voir les autres voitures. Donc là on est dans la partie seconde classe. Vous voyez, il n'y a plus d'étable, mais on voit bien qu'il s'agit des mêmes sièges, logiquement. Ah, on va dans les cuisines. Voilà. Ah, je trouve plus. Mince. Voilà. Oui. Ouais, c'est globalement les mêmes. Ah, pas tout à fait. Non, en fait j'ai rien dit. Pas du tout. C'est pas du tout les mêmes. Et là, ce qui ont. Ok, on a 110, ça va. Ici, on est en voiture première classe, donc disposition 2 et 1, comme beaucoup de trains de cette époque-là, même d'après. Voilà, on l'a même ici, voilà, première classe. On doit avoir le numéro de la voiture quelque part. Voilà, très sympa comme modélisation. C'est vrai que l'intérieur, ça fait très... années 70-80, et d'ailleurs il n'y a pas eu de rénovation hein, hormis la remotorisation. L'intérieur n'a pas bougé. Il y a eu quelques projets à une époque, mais finalement ces rames là, de toute façon, j'exagère un peu, mais ces rames là, dès leur entrée en service, finalement on savait qu'elles étaient presque condamnées hein, vu la consommation de gasoil. Voilà, on parle parfois quand même des CC 72 000. Oui, alors là c'était pire parce que alors je crois qu'une turbine, ah, et là on est en seconde classe, on est revenu dans la voiture restaurant, je ne sais plus, on est bien en seconde classe, donc avec deux sièges de chaque côté, et on va revenir en cabine quand même parce que non, ça va, on est pas trop mal en vitesse. Oui, au niveau de la consommation, je crois... Ah voilà, on peut prendre 140. Au niveau de la consommation, je crois qu'une seule turbine consommait à peu près... je me demande si c'était pas la consommation d'une CC 72 000. Alors, peut-être pas tout à fait, mais par contre, il y avait deux turbines. Donc au final, j'arrive pas... En fait, pour tout vous dire, j'arrive pas à trouver un chiffre correct pour la consommation au kilomètre. On va pousser les turbines, là on va consommer pour le coup hein. On va pousser les turbines au taquet. D'ailleurs je vais peut-être non, je vais les laisser à fond pour l'instant pour monter à 140. Donc voilà, en fait j'arrive pas à trouver de chiffres précis pour la conso au kilomètre. Je pense que sur relief accidenté ça pouvait vite
vite grimper dans des valeurs des valeurs qu'on ne supportait plus vraiment aujourd'hui. Et ce matériel-là a quand même eu une petite carrière à l'export. On a eu une petite série, alors ça n'a pas duré longtemps, mais on a eu une petite série pour l'Amtrak aux États-Unis avec les modifications qui vont bien, l'avertisseur spécifique, le troisième phare, les attelages automatiques utilisés là-bas pour les motrices, enfin, pour pouvoir réaliser le couplage de plusieurs rames. Ça n'a pas duré très longtemps. Très vite, ils les ont remotorisés en diesel pour limiter quand même la consommation. De là ont découlé des versions qui ont été construites là-bas. Il y a quelques versions qui ont été construites par les ateliers du nord de la France, donc vraiment en France. Ensuite, ils ont construit quelques unités sous licence. Et très rapidement, les RTG d'origine ont été convertis pour la plupart au diesel. Et les rames qui ont succédé, elles avaient plus ou moins le même design au niveau des caisses. Mais elles ont été équipées de moteurs diesel conventionnels pour limiter la consommation. On a également vu ces rames, il y a eu une série en Égypte et une autre en Iran qui ont roulé, je crois, pour ces dernières jusque dans les années 2000. Mais pareil, avec une remotorisation en diesel dans le courant des années 2000, il me semble. Ça serait à vérifier. Et d'ailleurs, les 5 dernières rames du dépôt de Vénissieux, après leur fin de service en 2004 et leur radiation qui a dû intervenir, je pense début 2005, ok, 120, alors pour nous ça sera 130 probablement, enfin non, c'est 130 pour nous, puisque c'est le chêtre freiné, et le tableau indicateur de vitesse en forme de casque du type C qui s'adresse aux autorails, qui s'applique pour nous. J'ai pas bien géré le ralentissement. Je me disais donc que les 5 dernières rames du dépôt de Vénissieux ont été vendues pour une somme ridicule à l'Iran. Alors a priori c'était plus pour des pièces mécaniques qu'autre chose. Mais il semblerait qu'elles aient quand même circulé. Donc voilà, encore une fois, j'ai pas beaucoup de sources malheureusement. Alors on peut maintenir le 130, vu qu'avec la tuyère module ça devrait suffire. Alors là ça fait moins de bruit hein, tout de suite dans les compartiments passagers. Alors est-ce qu'on a des trucs dans les cuisines? Est-ce qu'il y a des petits easter eggs? Non, j'ai rien trouvé pour l'instant, je pense pas. Et on verra bien. Ah mais je peux reprendre à 140, non, tout va bien. Ok, on va quand même surveiller parce qu'on commence à s'approcher, ouais, 9 km. On commence à s'approcher de Bourg-en-Bresse. On marquera l'arrêt en gare évidemment. Allez, on va essayer de garder le 140. Alors faut faire attention de ne pas faire surchauffer les turbines hein, en demandant beaucoup. Ah, on croise un autre RTG en UM. Oui, il faut faire attention avec la température des turbines. Alors on aurait un voyant LSTMO 1 et LSTMO 2, le 1 pour la turbine 1, donc dans la motrice impaire, la turbine 12, et la 2 pour la turbine 3, du moins dans la motrice impaire. Je sais pas si c'est simulé, si vraiment on est tout le temps à fond. Voilà, je sais pas si le relais de traction peut s'ouvrir. Ça, il me semble que oui. Il me semble que ça m'est arrivé une fois. Par contre, je sais pas si on peut faire fondre, si on peut faire prendre feu les turbines.
Alors d'ailleurs, normalement, on peut voir. Alors, c'est pas, on n'est pas censé le regarder en roulant, mais on peut voir la température, hein, des turbines, du moins dans les différents locaux techniques. Ah, 142. Pas fou. Bon, on n'a pas de KVB, hein, encore une fois. C'est l'avantage. C'est l'avantage sur ces rames. On pourrait rouler 5 km/h au-dessus, voire 10. Ça poserait pas de gros problèmes. Mais bon, on va quand même respecter les vitesses limites. Je trouve un régime. Je vais prendre que la Turbo 12. Je vais pas la mettre. Voilà, on va la mettre comme ça. Autour de 23 000 tours. Ça devrait suffire. Ouais, au pire, on gardera 135. De toute façon, on est quasiment arrivé à Bourg-en-Bresse. Alors maintenant, je dis Bourg-en-Bresse parce que j'ai entendu les annonces et Dinman, elle le prononce comme ça. Hein, donc on va le garder comme ça. Hein. J'aime bien les embêter avec ça. Hein. Je vous aime bien quand même. Par contre, je ne sais pas comment on appelle les habitants de Bourg-en-Bresse. Donnez-moi la réponse en commentaire si vous le savez. Comme ça fera du référencement. Bon, je plaisante évidemment. Mais... Ok, là on a les deux turbines au ralenti, on a un poil au-dessus, 240, voilà. On va commencer à faire gaffe parce que, ah bah, 90, geste d'acquittement, voilà, là on arrive à Bourg-en-Bresse, et on a les 30, ralenti 30. Autant dire qu'il va falloir freiner un petit peu fort, voilà. Se calmer un peu sur le frein quand même. Ouais, j'aurais pu y aller un peu plus tranquille là. Ouais, quand même obligé de remettre un peu de traction. Oh, quoique à 20 km/h ça allait. Ah oui, on est reçu voie 3, je crois. Oui, c'est ça, donc c'est pour ça qu'on a le ralent. C'est normal en fait. Voilà, et on va arriver gentiment en gare de Bourg-en-Bresse. Et ensuite, on se retrouvera pour la dernière partie du trajet. On refera une petite ellipse. Et on en terminera avec cette vidéo. Alors, il y aura sûrement d'autres scénarios. Faut que je voie un petit peu ce que je peux faire. C'est vrai qu'il y avait la ligne de la Normandie là qui aurait été parfaite, sauf que malheureusement chez moi elle ne fonctionne plus. Ça fait un petit moment, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est les mises à jour de TS qui sont en cause ou non. Je suis pas certain parce que je crois que j'avais déjà des problèmes avant. Maintenant j'arrive. Alors je l'ai réinstallé plusieurs fois mais ça n'a pas réglé de problème. Dans le meilleur des cas, j'arrive à ouvrir les scénarios dans l'éditeur, mais je n'arrive plus à les lancer. J'espère que j'arriverai à la refaire fonctionner parce que on pourrait reproduire à fin de carrière un petit peu des RTG sur cette ligne dans les années 90. On pourrait faire un camp Cherbourg, un Cherbourg-Camp, ça pourrait être intéressant à faire. Voilà, ça reste. C'est vrai que la map, elle est scalée, mais enfin bon, elle reste gratuite. Je parle de la map de la Normandie, hein, donc en Cherbourg et Saint-Lô. Bon, il y a beaucoup d'assets à avoir, ça c'est vrai, je l'avais déjà dit, c'était un peu le défaut. Mais au niveau des scénarios, il y a quand même un potentiel assez intéressant. Donc voilà, j'espère réussir à la refaire fonctionner, sinon il y aura moyen de faire quelques scénarios sur Dolvallorp, je pense. Scénario en mode train détourné, etc. Enfin bon, vous connaissez hein, en général pour trouver des excuses. Je suis assez performant. Bon, on va essayer de garder le 30 km/h parce qu'on est en montée ici. Voilà. Après, ouais, si, on va voir l'exécution. J'étais en train de me dire, on n'est pas obligé de rester à 30 là. C'est vrai que j'aurais pu arriver un peu plus vite, mais on va avoir le rappel 30 juste après la courbe en principe. Donc en fait, après, je sais plus quelle heure j'avais mis. Ouais, on va être en retard. On va. Ah, oui. Bah,
Oui, on va arriver un peu juste. Peut-être une petite minute de retard. Si je l'avais freiné moins fort, on serait à l'heure. Alors, rappel 30 et avertissement. Donc, nouveau geste d'acquittement. C'est l'avertissement qui a provoqué le bip d'attention et le clignotement de la lampe de signalisation, signal fermé. Alors sur les RTG, on n'a pas le klaxon comme dans la 21000, du moins là on est dans une version pas rénovée, mais on a la version avec le nouveau moteur, donc peut-être qu'on est dans une phase un petit peu de transition où on n'a pas encore le KVB, mais peut-être que le système de répétition des signaux va être un petit peu modernisé, parce que c'est vrai qu'on a le bip du KVB. Le bip d'attention qui ressemble beaucoup à celui du KVB. Je me suis demandé si c'était une erreur ou non, et c'est vrai que j'ai en regardant une vidéo de la vie du rail qui montre une RTV dans la même configuration, et ben non, le bip d'attention c'est bien ce bip là. Ça ne sonne pas tout à fait exactement de cette façon, mais ça je veux bien parier que d'une machine à l'autre c'était différent. Mais non, il n'y a pas le klaxon comme dans la 21000 ou comme il y avait dans la 40100. Et puis après, de toute façon, certaines RAM ont reçu le KVB. Donc là, il n'y avait plus du tout de klaxon ou je ne sais trop quoi. D'ailleurs, il n'y a pas de répétition pour les signaux ouverts. Hein. Donc visiblement, c'est une petite évolution de la répétition des signaux. En fait, là, on a l'impression d'avoir juste la partie répétition des signaux du KVB sans le contrôle de vitesse. C'est un peu l'impression que ça donne. Donc peut-être qu'il y avait eu une petite évolution sur la partie répétition des signaux. Hop là. Voilà, on va aller stationner au bout de l'abri. Hein. Normalement, on est à quai. Oui. Donc on va se mettre ici. Enfin, on va se mettre où notre train voudra bien s'arrêter. Non, je vais le mobiliser ici. On a un tout petit retard, mais rien de grave. Et voilà, nous voici en gare de Bourg-en-Bresse. Je vais quand même vous montrer l'animation des portes. Je vais ouvrir un peu plus tard, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que ça, je voulais pas montrer à Besançon, donc autant le monter ici, donc voilà. Hop là. Ah non, j'étais pas bien cadré, je voulais vous montrer les deux portes, mais on est trop rapprochés. Et même en caméra libre, vous voyez que la modélisation est tout à fait correcte. Hein. Bon, on commence à avoir l'habitude avec Sim Express, mais vous voyez que je peux me balader dans le train sans problème. Hein. C'est un peu moins détaillé forcément, mais franchement, on pourrait très bien faire un screenshot ici, ça pourrait marcher. Et on va refaire une petite ellipse et on se retrouve pour la fin du trajet. A tout de suite. Et on se retrouve du côté de Lyon, on vient de repartir de Lyon-Perrache. Et on se retrouve pour la fin de notre trajet. Corail sur notre droite avec une 7000, je crois que c'est... Non, c'est une 22000 d'ailleurs, je crois. Je me rappelle même plus ce que j'ai mis, mais non, il me semble bien que c'est une 22000 sur celui-là. Normalement, ici, on est limité à 30. Je vais vérifier ça. Donc oui, on vient de repartir de Perrache, mais on est terminus à part Dieu. Écoutez, c'est des impondérables, des horaires, enfin voilà. Posez pas de questions, c'est mieux, voilà. Ne posez pas de questions. On va dépasser un train à l'arrêt. Alors, est-ce que j'ai bien réussi mon coup? Peut-être pas, là, je suis peut-être un peu en avance. Alors, peut-être faire un peu de marche parallèle, on va voir. Et si on reste à 30? Non, je crois qu'on peut reprendre à 50. Alors, je sais plus où exactement. Ah, voilà. Alors là, normalement, là, je peux prendre 50 km/h.
Ah, ça va être dur de lutter, il y a une 6500 en tête, hein, donc autant vous dire que c'est un peu peine perdue. Non. Pas parti assez vite. Ouais, ici ça va être 50. Alors, en testant le scénario la dernière fois, j'avais réussi à dépasser le train à l'arrêt. Et ensuite il me redépassait, mais pas parti suffisamment vite malheureusement, mais c'est pas grave. Donc ici c'est 50. Là on pourrait presque rouler uniquement avec la Turmo 12. Bon, je laisse les deux, mais clairement ici ça, une seule turbine suffirait. Peu de frein quand même, et ensuite on pourra prendre 60 et on arrivera sur la fin de cette vidéo. Alors je sais pas combien de temps elle va durer au final. Je pense qu'on sera pas loin d'une heure, hein, que je fasse quelques coupures, mais à mon avis on sera pas loin de l'heure. J'espère que ça vous aura plu. Et puis on testera, j'espère tester d'autres scénarios. Ah non, c'est 50 là toujours. Je vais pouvoir prendre 60 dans un instant. Allez, 60. Traction est coupée. On va voir un ralentissement 60. Alors ça tombe bien, on est à 60. Je me prépare à quitter, mais je crois qu'il y a un souci sur ce signal. Bon, non, ouais. Alors on va voir. Non, il y a bien crocodile pourtant. Bon, il répète pas fermé. Bon, DTG, je crois que de toute façon de base, il me semble que les ralentissements, ils les font pas répéter. À une époque, ils faisaient répéter les rappels et pas les ralentissements, alors que c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Donc voilà, on est en signalisation DTG, il y a quelques incohérences. Alors j'aurais peut-être pu, par RP, appuyer sur le bouton d'acquittement, ce qui aurait peut-être allumé la lampe. Mais bon. Et on a de fortes chances d'être reçu sur signal fermé. Peu dangereux de faire ça. Ouais. Rappel 60 et avertissement. Évidemment, on freine à cause de l'avertissement. Et geste d'acquittement. Alors, on va essayer de faire un frein. On va éviter de faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Et on rentre tranquillement. À la part Dieu, on sera reçu sur voie B. Alors normalement on va avoir le départ d'un train qui doit nous croiser, mais je crois qu'il est bloqué à un signal, enfin c'est pas grave. Ah non, 58, il n'est pas encore parti. Ah, on va peut-être le voir partir. On va rouler tranquille comme ça s'il y a du matériel. Alors c'est vrai qu'on peut se mettre côté être conducteur si on veut, on peut se mettre là. Donc c'est sympa, hein, ces grandes baies vitrées. Je trouve plus ça maintenant. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à un autre train. Ça me fait penser, alors il y avait du matériel allemand qui avait un peu cette baie vitrée. Mais d'une certaine façon, ça me fait penser un petit peu au HST. Du moins à la première version du HST. Qui avait pareil une surface vitrée assez importante. Voilà, donc c'est pas les mêmes trains, mais ça me fait penser à ça. Et on a un autre turbo-train ici.
Mulan Corail en stationnement. Alors, essayez de réduire un petit peu, voilà. Est-ce que j'avais d'autres trains IA? Alors, soit ils sont partis, soit je sais pas. Bon, c'est pas grave. Nous, on pourrait s'arrêter par là. Ou alors, on va aller. Ah, ou on va jusqu'au signal. On va voir. Non, je pense qu'on va s'arrêter là parce que la vidéo risque d'être trop longue sinon. Donc, même si on va gagner que quelques minutes. Ah ouais, mais on va pas voir. Bon, on va prendre la caméra libre. Voilà, j'avais simplement mis ici. J'ai quand même envie de la montrer parce qu'on la voit pas souvent. Hop, j'avais quand même mis une petite 6500 morienne hein, en tête d'un train. Je crois que c'est Nice-Paris, Marseille-Paris, je crois. Alors, les compositions, elles sont plus ou moins. Enfin. Elles sont pas totalement libres, on va dire. Alors, parfois, je suis obligé de remplacer certaines voitures. Mais je me sers du site RMB de... Comment ça s'appelle Rail Model Club de la boucle, je crois que c'est ça. Et en fait, ils ont des fichiers PDF avec des compositions de trains. Donc, je m'inspire de ça. Alors, on n'a pas toutes les voitures. Notamment on n'a pas les voitures inox pour Mistral ou ce genre de choses, mais j'utilise beaucoup ce site là pour les compos un petit peu historiques, notamment les compos des années 80-90. Et voilà, on est arrivé à Lyon. Hop, on va éteindre les turbines. Voilà, hop. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut tout le monde, à bientôt.